Généralisons maintenant un peu ce que nous avons vu dans la présentation précédente. Imaginons que j'emprunte P euros. P est ce que j'emprunte, et donc mon capital initial, mon principal. R est le taux. C'est le taux d'intérêt auquel j'emprunte. On peut aussi écrire cela comme ceci, 100 R pourcentage, n'est-ce pas? Enfin, disons que je vais emprunter pour, par exemple, T années. Voyons maintenant si on peut obtenir quelques équations afin de voir combien je devrais à la fin de ces T années, en utilisant des intérêts simples ou composés. Pour commencer, restons simples, parce que c'est simple. Donc, au temps zéro, voilà, ceci est l'axe du temps. De combien suis-je redevable? Si j'emprunte P et je rembourse immédiatement, je dois juste P, n'est-ce pas? Au temps 1, je dois P plus les intérêts, le loyer sur cet argent en quelque sorte, et ceci est R fois P. Dans notre exemple précédent, donc dans la vidéo précédente, R était de 10%, P était 100, et donc je devrais rembourser 10 euros pour emprunter ce montant pendant un an. Bref, au bout d'un an, je dois rembourser 110 euros, soit 1P plus RP, ou, si on met P de côté, P fois 1 plus R. Maintenant, combien dois-je au bout de 2 ans? Il suffit en fait de rajouter un autre RP chaque année. Je dois P plus RP, c'est ce qu'on devait au bout d'un an, et maintenant un RP supplémentaire, ce qui nous donne en sortant le P, P fois 1 plus R, ou P fois 1 plus 2R. Le tout entre parenthèses. En l'année 3, on doit ce qu'on devait en l'année 2, soit P plus RP plus RP. Et maintenant, un RP supplémentaire, avec R égal à 10 ou 50% de notre montant principal, ce qui nous donne P fois, entre parenthèses, 1 plus 3R. Donc, après T années, combien doit-on? Nous devons multiplier notre P d'origine fois 1 plus TR. En fait, chaque année, nous payons P pendant T années. Donc, par exemple, prenons un exemple chiffré, et je vous encourage à le faire aussi, plutôt que simplement mémoriser des formules. Si j'emprunte 100 euros à 5% d'intérêt simple, durant 15, non, non, disons plutôt 20 ans, 20 ans. Au bout des 20 ans, je serai redevable de 100 fois, entre parenthèses, 1 plus 20 fois 0,05. Fois 0,05 est égal à 1, n'est-ce pas? Donc, nous devons 100 fois 1 plus 1, ou 100 fois 2. Ce qui veut dire 200 euros sur 20 ans au bout de 20 ans. Ceci étant la formule des intérêts simples. Maintenant, voyons si on peut faire la même chose avec les intérêts composés. On y va? Donc, les intérêts composés en l'année 1, vous vous rappelez, hein, c'est la même chose que les intérêts simples, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Je dois, au bout d'un an, P plus RP, ce qui donne P fois 1 plus R. C'est à partir de l'année 2 que intérêts simples et composés divergent. En intérêt simple, nous devrions simplement payer 1 RP supplémentaire, P fois 1 plus 2R. En intérêt composé, ce montant devient le nouveau principal. Donc, si ceci est le nouveau principal, nous allons payer au bout d'un an supplémentaire le nouveau principal fois 1 plus R. Notre principal de départ est P. Après un an, on paye 1 plus R fois le principal de départ. Pour l'année 2, on va payer ce qu'on devait au terme de l'année 1, soit P fois 1 plus R, et on va le faire croître de R%, ou autrement dit, le multiplier à nouveau par 1 plus R, ou autrement dit, P fois 1 plus R au carré.
On peut voir la différence comme ça. En intérêt simple, nous ajoutons chaque année PR. Donc si ceci est 100 euros et ceci 5%, le R, chaque année nous rajoutons 5 euros d'intérêt. P est le principal, R est le taux. En intérêt composé, on multiplie chaque année le principal par 1 plus R, n'est-ce pas? Donc si on va à l'année 3, on va multiplier P par autant de fois 1 plus R. Donc pour l'année 3, nous multiplions P par 1 plus R au cube. Et donc pour l'année T, le principal sera multiplié par 1 plus R puissance T. Revenons à notre exemple. En intérêt simple, nous devons 100 fois 1 plus 20 fois 0,05, soit 200 euros au bout de 20 ans. Voyons maintenant combien nous devons d'intérêts composés. Le principal est 100. 1 plus, c'était encore combien le taux? 0,05 ou 5%. Et on emprunte pour 20 ans. Donc, au bout de 20 ans, le montant dû est égal à 50 fois 1 plus 0,05 à la puissance 20. Oui, je sais que la puissance 20 n'est pas facile à appréhender, mais si on utilise un Excel ou une calculatrice, 1.05 à la puissance 20 donne 2.65. Et 100 fois ce montant nous donne 265 euros. Maintenant, vous comprenez que si quelqu'un vous prête de l'argent et dit « Ok, je t'accorde un prêt à 20 ans, je vais te prêter du 5%. » Il est alors très important de clarifier si vous comptez 5% d'intérêt en intérêt simple ou en intérêt composé. Parce que vous allez finir par payer, regardez donc, en empruntant seulement 100 euros, vous allez finir par payer 65 euros de plus en intérêt composé par rapport à des intérêts simples. Malheureusement, dans la vie réelle, c'est l'intérêt composé qui est le plus usité. Et il n'est composé pas chaque année, comme dans notre exemple, ni même tous les 6 mois, il est en fait composé de façon continue. C'est pourquoi vous devrez voir les vidéos suivantes sur les intérêts composés en continu et commencer à appréhender la magie de tout ceci.